Mesdames et messieurs, bonjour, merci de choisir First Afrique TV pour vous informer et bienvenue à la revue des titres de ce jour. On démarre avec le quotidien du service public, la Nation qui nous informe au sujet de la prorogation du mandat de chef de l'État et parrainage. La Cour se soumet au pouvoir constituant à lire à la page 2 de ce quotidien. Suite de la tournée de Patrice Talon dans les communes, Perere et Ndali satisfaites en attendant d'autres chantiers. Développement du sport scolaire, la FIFA a pu le Bénin en équipement sportif. L'événement du jour qui titre en manchette, budget général de l'exercice 2022, voici les modalités de son exécution. Présidentielle du 11 avril 2021, la Sénat invite les maires et les députés à retirer les formulaires de parrainage. Pour publicité trompeuse, ACEP Bénin condamne le réseau MTN. Le quotidien Nord-Sud qui titre en bandeau prorogation du mandat de Patrice Talon, ce qu'en dit la Cour constitutionnelle, elle ira à la page 5 de ce quotidien. Et à la une de ce même quotidien, exécution du budget, voici les instructions et modalités d'exécution. Justice, mettons-nous un procureur au destin tenace et implacable. Le quotidien Le Déclic qui titre en manchette, critique de la gouvernance de Patrice Talon, l'opposition doit savoir choisir ses valets. Occupation anarchique des trottoirs et espaces publics, le maire Arondino alerte et menace de sévir. La Fraternité nous apprend au sujet du harcèlement sexuel en milieu universitaire. Vote d'une loi, les OSC posent des conditions. Parrainage et prorogation de 45 jours de mandat présidentiel. Les sept sages vident les recours. À présent, suivez les informations du site international First Contact Afrique. Bénin don de matériel au ministère de Sport par la FIFA. La FIFA a fait œuvre utile au ministère des Sports en offrant un important lot de matériel sportif dans l'après-midi de ce jeudi 7 janvier 2021. Marché financier de l'UEMOA, le Burkina, lève plus de 32 millions milliards de francs CFA. Diplomatie, signature de deux accords de coopération entre les États-Unis et le Soudan. Et ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Bon week-end à tous.